Bonjour. Je crois qu'il y a, plusieurs choses que les politiciens nous ont volées. Il y a plusieurs choses que ceux qui ont dirigé le Congo depuis l'indépendance ont volées. Mais la plus importante chose qu'ils ont volée, c'est ce que je vais nous en parler aujourd'hui. Ils ont volé l'argent. Ils ont volé le passé. Ils ont trahi. Ils ont tout fait. Mais la plus importante chose qu'ils ont volée, c'est la peur. Nous sommes une jeunesse qui n'a plus peur. Et la peur a déjà changé de camp. Ce sont les politiques, ce sont les dirigeants qui commencent à avoir peur de la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de cette jeunesse qui a su braver la peur, qui a su dire non à la corruption, non à la trahison, non à la violence, non à tout ce qu'ils ont comme manipulation, à tout ce qu'ils ont comme croyance. Et la peur, pour nous actuellement, je préfère bien qu'on l'appelle l'indignation. Parce que quand on ne s'indigne pas, on n'a pas le droit de vivre. Regardons juste autour de nous, juste autour de nous. Si tu ne trouves pas une seule raison qui te pousse à t'indigner, il faut se mettre en cause. Soit c'est vous le problème. Mais aussi, si on ne trouve pas une seule raison qui puisse nous pousser à l'indignation, ce n'est pas possible. Dans tous les secteurs, que ce soit en politique, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la société civile, dans l'économie, dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans la fonction publique, dans la justice, dans tous les secteurs, tout, même les secteurs que je n'ai pas pu citer, il y a des raisons qui nous poussent à l'indignation. Mais si on ne s'indigne pas, c'est très dangereux. Mais l'indignation à elle seule ne suffit pas. Nous pouvons nous indigner, c'est OK. Et les Congolais, c'est la population, c'est le peuple le plus politisé au monde. Il suffit juste de faire juste des petites tournées dans les villes, dans les villages, et c'est un peu de parler aux gens. Vous allez voir comment est-ce que tout le monde va donner des commentaires politiques. Et en donnant des commentaires politiques, ce n'est pas de leur problème. Peut-être parce que c'est ce que les médias nourrissent, les Congolais et tout le reste. Mais quand on ne se trouve pas une raison de s'indigner, c'est triste. Mais comme je le disais, l'indignation à elle seule ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'engagement. Et oui. Et l'engagement, on ne va pas s'engager dans tous les domaines. Chacun juste suffit de trouver un seul domaine où il peut se dire, moi je prends ça comme mon cheval de bataille, moi je prends ça comme mon domaine d'indignation, mon domaine d'engagement, et jusqu'à ce que ça marche. Et c'est possible. Pour moi, par exemple, je me dis, moi je fais confiance à la rue. J'ai confiance au pouvoir de la rue pour avoir des transformations, des changements dans notre pays. Et si on ne fait pas confiance à la rue, quelqu'un d'autre peut avoir une chose à laquelle il fait confiance. Les musiciens peuvent faire confiance à la musique, mais pas à la religion. La religion, non. Non, 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 non.